Au service, Higueras. Et au service, l'Espagnol José Higueras, pour une place en demi-finale. Balle très longue de l'Espagnol, et vous remarquerez sa manière très caractéristique de servir, alors que la plupart des joueurs font rebondir un certain nombre de fois la balle avant de servir. Lui, Higueras se contente de la tenir dans la main. Voilà, il va frapper deux fois et après il va se concentrer énormément sur son service en regardant loin devant lui vers l'adversaire. Bon service. 30-15.45-15 de balles de premier jeu pour José Higueras, très concentré en ce début de partie. Qui a fait de notables progrès, semble-t-il, sur son service. 40-30. Par José Higueras. Vous aurez noté que Connors n'est pas encore monté une seule fois et je pense que ça va être la tactique de Higueras de jouer ainsi. Alors, petite innovation en ce qui concerne notre reportage. Laissez-moi d'abord vous dire que c'est Jean Bescon qui réalise, que le match est arbitré par M. Youssef Makar et que Jean Reynal va vous tenir au courant de ce qu'on appelle le point par point, c'est-à-dire de tout ce qui se passe au niveau des volets gagnants, des passings, des aises, des services gagnants, etc. Oui, alors c'est peut-être un peu tôt, bien sûr, pour tirer des conclusions, alors qu'on vous montre les adversaires qui ont succombé face à Connors. Il est à noter qu'il n'y a pas eu de points gagnants au cours de ce premier jeu, sauf, bien sûr,
un service gagnant pour Higueras et Hennes. Sinon, la plupart du temps, les points ont été marqués sur des balles perdues, 3 par Connors, 2 par Higueras. Donc pour l'instant, avantage bien sûr à Higueras qui mène 1 à 0, mais pas de points gagnants, pas de volée gagnante, pas de passing gagnant, pas de points marqués du fond du court. Uniquement 2 très bons services de Higueras et des balles que Jimmy Connors ou Higueras ont mises soit dans le filet, soit dans le couloir. Et maintenant, on voit les adversaires battus par Higueras. Vous voyez l'abandon du tchèque Granat lors de la quatrième manche, à la fin de la troisième. Et le score très sévère infligé à Telcher l'autre jour lors des huitièmes de finale. Service Connors, on va voir si Higueras continue à maintenir des balles très longues pour empêcher l'Américain d'attaquer. Mais vous l'aurez tout de suite compris, que José Higueras est lui aussi un grand spécialiste du passing shot. Quand je dis lui aussi, c'est pour faire allusion bien sûr au match précédent que vous avez vu avec Villas. L'Espagnol avait été complètement déporté sur sa droite. Il n'a pas eu le temps de revenir sur la balle de Connors. 15 partout. Match qui pourrait durer assez longtemps entre un homme qui est le spécialiste des échanges longs précisément et un autre qui est plutôt un attaquant mais qui ne pourra attaquer que si l'Espagnol le laisse faire, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Connors n'est monté pour l'instant qu'une fois au filet. De Connors, fantastique. Non seulement il réussit à reprendre la balle, mais à la placer pratiquement hors de portée d'Higueras, qui était obligé de la mettre dehors. Un point, c'est un point. 30 partout. Silence, un peu de remue-ménage là dans le public pour l'instant. La longueur des balles d'Higueras, mais celles de Connors sont aussi très longues.
mais en général, Guiras n'attaquera que lorsqu'il sera vraiment très sûr. 30-40, balle de break. Balle sauvée, 40 partout. Petit bras, on dit un petit peu trop longement dans son cou. Et un nouvel avantage pour José Guerras et une nouvelle balle de break pour l'Espagnol. Un bon service là de Connors et mauvais retour d'Higueras. Nouvelle égalité. Round d'observation. Connors. Avantage Higueras. Higueras a failli monter là sur son coup droit, mais la balle était bien appuyée. Connors a été contraint de la renvoyer dans le filet. Avantage maintenant pour Higueras, c'est une nouvelle balle de 2 à 0 pour l'Espagnol sur le service adverse. Souci avec la première balle de service. Première balle un peu courte là de Higueras, c'est tout de suite que Connors en profite. Mais peut-être qu'il n'en a pas encore suffisamment l'habitude dans cette rencontre. Il faudra qu'il s'échauffe à ce niveau-là aussi. Et Connors a mis la balle dans le filet. Et donc Higueras mène par 2 à 0. Et oui, il y a eu quelques points gagnants cette fois-ci, mais ils étaient rares. Vous avez vu un passing shot gagnant de Higueras. Et un point gagnant du fond du court pour Connors. Il a amorti pour Connors. Mais il y a eu surtout beaucoup de fautes. Et c'est ainsi que depuis le début de la rencontre, bien Connors a commis 8 fautes alors qu'Higueras n'en a commis que 5. Voilà peut-être pourquoi Higueras mène par 2 à 0. Ça si paraît être plus asseoir. Un round d'observation. Pour l'instant, personne n'a pris l'initiative de la partie, même si au score, Higueras mène. Il faudra attendre un peu pour juger mieux et davantage.
splendide revers de Connors, très appuyé, juste dans le coin du cours, là-bas au fond. Et Higueras est resté sur place. 0-15. Higueras fait vraiment ce qu'il faut pour maintenir Connors au fond du cours. Il se souvient peut-être de la tactique employée par Claire l'année dernière lorsqu'il avait éliminé Connors. Et Claire avait réussi comme ça en maintenant en permanence Connors au fond du cours, à l'user et à le battre en définitive sans bavure dans la cinquième manche. Deux balles. Quelques fautes un peu bébêtes. 35. Une balle courte, mais qu'il ne voulait pas courte en fait, Higueras, puisque c'était une amortie, mais ratée, un petit peu trop téléphoné. Tout de suite, Connors s'est monté et là, n'a pas fait le détail. Si Higueras veut tenter ses amorties, il faut absolument qu'il les réussisse, sinon ça va lui coûter cher. 30 à. C'est Connors sur la balle. 40-30 pour Higueras. C'est une balle de 3-0 pour l'Espagnol qui, lui, n'est pas encore monté une seule fois au filet. Il y monte d'habitude en fin de partie pour serrer la main à son adversaire. Vieille plaisanterie. Oh.
encore une faute là de Connor. Il mène par 3 jeux, première manche. Et Higuera se détache par 3 jeux à 0 maintenant. Connor va servir par la suite lorsque les deux hommes auront changé de côté. Mais donc début, je dirais moyen, de Jimmy Connors. Eh oui, car si l'on consulte les statistiques, Jimmy Connors, depuis le début de la rencontre, a commis 12 fautes. 12 fois, il a envoyé la balle dans le filet ou en dehors des limites du terrain. Higuera 5 seulement. Connors a réussi le plus de points gagnants, un smash gagnant, 2 points gagnants du fond du cours et une amortie gagnante. Alors que Higuera, lui, a réussi un seul passing shot. Il faut dire que Jimmy Connors n'est pas monté non plus souvent au filet. Il est même pratiquement jamais monté au filet. Donc 3-0 pour José Higuera qui a fait le break face à Connors. Mais l'Américain n'a qu'un service de retard alors que nous revoyons au ralenti un des derniers échanges. C'est l'amorti un petit peu raté là de Higuera. C'est tout de suite la montée de Et le smash Connors. Gagnant de Jimmy Connors. Time. 20 minutes que l'on joue. Et vous voyez les spectateurs de Roland-Garros submergés par la chaleur. C'est une chaleur torride sur le central. Évidemment particulièrement pénible pour les joueurs. Jean Bescon vous fait voir quelques décolletés. Quelques hommes aussi sont torse nus. Un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Et Connors va pouvoir engager. Il est mené 3-0. C'est bizarre, tout à l'heure il a pris de voler une balle de Higuera qui paraissait sortir. Il l'a pris juste au-dessus de la ligne. Ça l'a laissé rebondir. 40-0, 3 balles de 3-1. Plutôt de 1-3. Je bon service de Jimmy Connors. Vous le savez, il n'a pas un service foudroyant, mais qui cherche toujours, et en principe qui arrive d'ailleurs à bien placer tout de même sa première balle. Puis un service gagnant donc pour Jimmy Connors, alors que Higuera a réussi un laisse et un service gagnant. Et là, c'est Higuera qui a commis des fautes. Le jeu a été gagné par Connors sur ses accélérations. Il a contraint l'Espagnol Higuera à la faute. 3-1 pour l'Espagnol qui sert maintenant. Bon service. Beaucoup de progrès à ce niveau-là. Thank you.
faute de l'Espagnol. Alors quel retour réussi tout à l'heure par Jimmy Connors sur un service qu'on pensait hors de portée. Et la chercher, la remettre dans le cours, formidable. 15 à. Tient mieux l'échange que l'Espagnol pour l'instant. 30 partout. Connors va s'essuyer. Essuyer le manche de sa raquette. Non. 30-40. Balle faute de Higueras. 30-40. Et une balle de 2 à 3 pour Connors sur le service adverse. Je vais essayer de reprendre le service d'Higueras. Elle a l'air de souffrir quand il va servir. Là encore, pourtant, Connors est allé chercher le service. 40 à. Figueras, mais commet la faute. 40 partout. Balle de 4-1 maintenant pour l'Espagnol. Higueras.
Le Nord est arrivé en bout de course sur cette balle et n'a plus que la mettre dehors. Et donc 4-1 maintenant pour l'Espagnol. Alors que Jimmy Connors nous a paru tout de même un petit peu meilleur sur ce jeu. Oui, mais c'est Higueras qui a réussi deux points gagnants, un service gagnant et une balle que Connors n'a pu toucher alors que l'Espagnol était au fond du cours. Higueras a commis trois fautes, Connors trois fautes et Connors a eu une occasion de prendre le service de Higueras alors que depuis le début de la partie, Higueras a eu trois occasions de prendre le service de Connors et d'ailleurs la troisième a été la bonne puisque maintenant Higueras mène par 4-1. Donc le match se joue un peu sur les fautes car depuis le début de la rencontre, donc depuis 5 jeux, Connors et Higueras ont réussi chacun 5 points gagnants. Donc ce sont les fautes qui les départagent. On va voir ce que va faire Higueras maintenant, s'il va réussir à peut-être un peu plus équilibrer son jeu, à commettre un petit peu moins de fautes qu'il ne fait. De toute façon, il mène et c'est essentiel pour lui. C'est ce qu'il avait fait l'autre jour contre Telcher avec un début de match un petit peu difficile et laborieux. Et tout à coup, alors il avait complètement explosé, réussissant des coups tout à fait fabuleux, auxquels Telcher d'ailleurs n'a pas résisté. En tout cas, Higueras mène donc et Connors a un service de retard maintenant. Et il faut dire que pour l'Américain, c'est peut-être le premier vrai grand match difficile depuis le début de son tournoi. On estimait généralement que son match contre Hooper serait un peu plus compliqué qu'il ne l'a été. Vous savez que Hooper s'est vu trahi par son service l'autre jour, et que Connors l'a emporté très facilement 6-1, 6-0, 6-4. Aujourd'hui, match un peu plus compliqué donc pour Higueras, pour Connors, face à Higueras. C'est évident que Connors hésite aussi et hésitera beaucoup à monter contre Higueras. Il connaît sa force sur le passing shot. Connors qui commet quand même beaucoup d'erreurs et notamment d'erreurs de longueur. Encore une faute de Connors et là ça devient un petit peu dangereux pour lui dans cette première manche. Mené 15-40 et donc deux balles de 5-1 pour l'Espagnol. Terrible là, de Jimmy Connors qui n'arrive pas à régler son jeu. Et oui, toujours cette accumulation de fautes, de balles perdues pour Connors. Il en a perdu 16 depuis le début de la rencontre. Là, il en a commis 3. Et le point gagnant, c'était le passing shot, le deuxième réussi par Higueras lorsque Connors s'était monté au filet. Et donc 5-1 pour l'Espagnol qui sert maintenant pour le gain de la première manche. Même un peu, le score serait un peu sévère là pour Connors. Elle reflète assez bien la réalité du jeu. Double faute. La première de l'Espagnol. Première du match d'ailleurs. Oh.
accélération terrible là, du coup droit de Quenot. 0-30. Mauvais retour de Connor. 15-30. Deux balles de 5-2. Il a vraiment des problèmes de longueur, notamment sur le coup droit. On savait que c'était son péché mignon et on l'avait bien vu l'année dernière encore ici même à Roland-Garros. Il nous avait un petit peu habitué à ne plus penser à ce genre de faute depuis le début du tournoi, mais voilà qu'il recommence. Et termine par un passive shot tout à fait remarquable, quel joli point. Et finalement sauve son jeu et revient à 5-2. Un service perdu donc pour Higueras, deux services perdus pour Connors bien sûr, puisque Higueras a trois jeux d'avance, c'est Connors qui va servir maintenant. Oui là, alors que nous allons revoir cet échange, Alain Escoubet, qui était vraiment fabuleux car on a cru tout le temps que Connors était battu. Voilà, l'amorti très bien réussi par départ de Connors dans le bon temps. Et alors là, c'est son coup favori, smash un petit peu envers. Et là, le passing, superbe. Grâce à ce passing shot, on peut dire que Connors égalise en ce qui concerne bien sûr cette façon de jouer. Non, un passing shot pour Connors, deux pour Higueras, mais vous avez pu le constater, les joueurs ne montent au filet que lorsqu'ils sont attirés par des amortis et toujours
Connors qui commet plus de fautes que son adversaire, mais cette fois-ci, il a réussi tout de même deux points superbes, notamment un point réussi du fond du tour. C'est là aussi sa spécialité. Alors que Higueras a commis la première double faute de la partie. Connors qui est donc un petit peu obligé de subir l'échange au fond du cours et c'est le choix qu'il fait car d'abord il n'en a pas beaucoup d'autres parce que Higueras l'empêche de monter bien sûr et en plus s'il pouvait monter eh bien, il serait presque à coup sûr passé par Higueras et Connors se méfie beaucoup des passings de l'Espagnol. 5-2, 2-5. Ouais. 15-0. Partout. Elle est faute. Sur la balle un peu courte de Connors, la Higueras aurait pu monter, il ne l'a pas fait. C'est vraiment le roi de la patience, il restera au fond du cours jusqu'au bout, sauf si vraiment on l'attire au filet d'une manière quelconque, s'il sent que c'est sûr, sinon il attend le rebond tranquillement et on vient se repasser derrière la ligne de fond de cours. 30 partout.
Lance accepte le jeu d'Higueras. 30-40. Sur des échanges interminables comme celui-ci, c'est quand même lui, l'Américain, qui commet le premier la faute. Et 30-40 balles de premier set pour Higueras. On s'attendait à ce que le match soit difficile pour l'Américain, mais on ne pensait peut-être pas tout de même qu'il serait perdu, que la première manche serait perdue par lui, en tout cas aussi facilement.